Alors bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui sur le circuit de Candie pour faire l'essai de cette nouvelle moto, une 450 Husqvarna TC 2009. Donc avec moi j'ai Claude Bouzu du magasin de Pro Shop Moto. Alors bonjour Claude. Bonjour. Donc c'est une moto que nous en avons en avant-première quand même, il faut dire. C'est la seule qui est en France pour l'instant. Elle est dans aucune autre concession. On a réussi à récupérer ça au Kenny Festival. Et donc vous avez la primeur de cet essai. D'accord, donc qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette moto? Qu'est-ce qui diffère de ses concurrentes, on va dire? Oh ben déjà, c'est le nouveau look. Elle est... Qu'est-ce qui diffère par rapport au modèle 2008? Il y a les échappements qui sont différents, il y a une nouvelle arbre à cam, il y a des disques de frein différents, une fourche qui est différente, une fourche en 50, Marzocchi. Et puis bon, après, elle a un look qui la démarque un peu des japonaises, on va dire. Ouais, c'est vrai qu'on peut dire que sa culasse, le couvre-culasse rouge comme ça, c'est assez intéressant, c'est assez joli niveau look. Ensuite, niveau mécanique, qu'est-ce que ça vaut? Par exemple, si on a besoin de retoucher la mécanique, si on veut faire son entretien, est-ce que c'est plus pratique que les autres ou pas? Ouais, plus pratique, oui et non, ça dépend des qualités de mécanicien, mais ça reste un 4 temps, ça reste une mécanique un peu compliquée, quoi. Ouais, parce que ce qu'on a pu voir, c'était si on veut faire son jeu de soupape, par exemple, eh bien, pas besoin de tomber la distri, quoi. Donc ça... Ça c'est le côté assez intéressant quoi. Il y a la conception des arbres à cam qui est faite avec des clavettes, on va dire, et qui peut nous permettre de refaire le jeu de soupape en gardant la distribution calée quoi. Oui c'est sûr, mais bon ça fait quand même une grosse intervention, donc après je sais pas si le pilote moyen est capable de faire ça quoi. Voilà. Ça reste une grosse intervention, ça reste quelque chose de relativement précis à faire. Hein. D'accord. Et puis voilà quoi, après on peut constater que c'est quand même une machine qui est bien finie quoi, ça c'est sûr, on ne peut pas trop le nier. Et Husqvarna on sait que c'est de bonnes motos, mais on ne s'est jamais vraiment posé la question qu'est-ce que ça valait quoi. Donc à côté de nous on a notre pilote officiel, testeur Sous-Rider, alors Rémi Barbaresco. Oui c'est moi, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Bon parfait, alors vous avez pu faire un petit essai avec cette moto, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je me suis dit tu vas me vous voyer maintenant. Ouais, j'ai failli vous voyer, désolé, c'était le. C'est le micro la caméra qui fait ça. Quoi. Faut rester ambiance sous slider. Ouais. Ben la moto, je viens de faire quoi, on a fait 10 minutes, un quart d'heure avec. C'est ça. Grosso modo, comparé à une japonaise niveau châssis, suspension, il n'y a vraiment rien à dire. Et moteur, alors vraiment on retrouve un esprit, l'esprit enduro, quoi, l'esprit original des Husqvarna. C'est vrai qu'avec du très très souple et du très très facile en bas. Et après par contre, dès que ça commence à ouvrir, il n'y a pas de problème. Quoi. Ça part, ça allonge, il n'y a vraiment aucun problème. Là, c'est vraiment pas des motos, comme il y a peut-être une dizaine d'années, qui ont à rougir par rapport aux japonaises. Il y a vraiment, là-dessus, elles sont équivalentes. Elles se sont alignées, elles se sont mises sur le même rang. Ouais, moi, les premiers tours de roue, il n'y a pas photo. Ouais. On est sur le même principe. Quoi. Prise à main immédiate et on veut des chevaux, on en a de suite. Quoi. Ouais, voilà, il n'y a pas de problème. Quoi. Je veux dire, même au niveau... tu t'assois dessus, galbe de guidon, poignée, c'est vraiment des motos. Il n'y a pas que les Autrichiens qui font des motos prêtes à rouler, quoi. D'accord. Voilà. Ok, bon, on va aller voir ça en image tout de suite. Et puis, j'espère que ça va vous plaire, quoi.